Alors la vidéo qui va suivre, que je resitue un petit peu le contexte, c'était en 2019, c'est bien ça? 2019, juillet. C'était en juillet 2019, on a pris l'initiative d'aller au Luxembourg parce qu'il y a un parc qui est absolument incroyable, c'est genre c'est une très grosse plaza, c'est assez fou. Et je parle pas de Stéphane Plaza évidemment. Évidemment. Donc on est allé là-bas en voiture avec Matt et Germain. Pour resituer un peu le truc, en fait, Matt venait tout juste de guérir du genou. Il s'est fait les ligaments croisés, qui s'était fait à Créteil. Et en gros, là, c'était un peu les premières sessions. Et donc voilà, il y allait avec la genouillère lentement et tout. Et moi, c'est le jour où je me suis pété le genou. J'ai pris le relais à Matt. C'est moi qui me suis fait les croisés. C'est parti! Un trait first try sans échauffement. Sans échauffement est égal à un café. Un café gratuit. Non. Ça marche. Un café pour Matt. Mais toi t'as vraiment zéro café par contre. Voilà, un pays de plus. Bon, c'est juste à côté, mais c'est quand même c'est pas mignon, mal. Quand même, hein. On s'est décidé à faire un petit week-end très rapide juste pour le parc qui est là-bas derrière les sols pleureurs. C'est des sols pleureurs, ça. Donc, oui, il y a un gros parc bien connu là-bas et on a pris la petite cam pour faire quelques petites images, quoi. Ça peut être bien stylé, hein. J'avais chaud dans les yeux. Ah, mais il faut... La petite table en descente, le ledge, le rail, là c'est mortel ça. Sacré Esteban. Mais je vais tellement vite, j'ai peur de bloquer. De passer le mur du son. Hein? De passer le mur du son. Je pense que j'ai dépassé le mur du son là. J'ai pas vu de. J'avais truc. Plus de bruit moi. Ah ouais? Oh putain, je sais pas pourquoi il me fait peur ce rail. Si j'atterris là. Bah t'as déjà mal à une couille, ça fera la deuxième. Non, ça j'ai plus mal. On est là pour ça. Ah, mon genou. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il s'est plié. Ah, la vache. T'es un enfant? Allez, courage. Voilà, du coup, bah, c'était, ça fait quoi maintenant? Ça fait un peu plus d'un an et demi. J'ai repris le skate en juillet de l'année suivante. Non, j'ai repris en mai. Avant, hein. J'ai repris à la fin du confinement. Déconfinement, on est allé au biome et j'ai fait mes premiers tricks. Non, c'était même pas au biome, c'était pas à Arcueil, la première session. Ah si, c'était à Arcueil. Ouais. Ouais, c'était à Arcueil. Je me souviens parce que moi, à Arcueil, après, je m'étais fait un truc bizarre à la cheville. Oui. Et après, je pouvais plus skater, moi. Juste les Smiths en rail, ça me fait peur. Tu vois, le parc du Luxembourg, si on y retourne, je touche pas ce rail. Ouais.
je pense que je le refais pas. Celui-là précisément? Ouais. Ou... Déjà, Smith sur ce rail, c'est mort. Ça m'a mis une petite phobie des Smiths. Mais on se porte. Et oui. Mais c'était une belle session. Heureusement déjà que c'est arrivé le deuxième jour, sinon t'aurais pété l'ambiance pour le coup. Mais c'est vrai que c'était assez particulier parce que bah, déjà on était loin de chez nous quoi. Ouais. Moi je l'ai pas, j'ai pas eu cette blessure, mais je l'ai vraiment vécu deux fois, une fois avec Matt, une fois avec Esteban. À chaque fois quand tu filmes. En plus j'ai filmé les deux, donc je suis traumatisé un peu avec eux, mais même si j'ai pas ressenti tout le truc, les opérations et tout. Peut-être Matt dira pareil, mais moi j'ai trouvé ça, c'était plus flippant que douloureux. Parce qu'en fait tu sens ton genou partir sur le côté. Alors qu'en vrai, dans la vidéo, enfin, on voit pas vraiment, tu vois. Mais petit ligament en moins, quoi, après. Petit ligament en moins qu'on m'a recousu. On en a pris un autre, en même. C'était un beau parc et une belle session, et c'était cool, en vrai. Mais c'était loin. Voilà.